Bonjour mes amis, on est de retour pour le pronostic de Quinté de la dernière minute. Alors mes amis, je vais préparer mes 5 meilleurs plus les deux pépites du jour. Hop, 1 minute, j'arrive mes amis. Alors, demain la course, ça court en gagne mes amis, il y a 15 partants, samedi 30 juillet 2022, réunion in course 3. Départ prévu 15h15 sur Equidia en direct, mes amis. Le structure de 7 à 10 zones et à 57 000 euros à gagner. Il y a 2100 mètres de piste en sable. Corde à gauche, mes amis. Allez, on est préparé. C'est très très bonne quinté. Aujourd'hui, celle-là, je vous fais dans un papier. Le premier pour moi, c'est le numéro 4 avec le bourgeois. C'est un très bon cheval. Je ne sais rien que j'explique, j'ai déjà expliqué sur l'autre vidéo. Deuxième, c'est numéro 5. Mon troisième, mes amis préférés, c'est numéro 11. Mon quatrième préféré, mes amis, c'est numéro 7. Mon cinquième préféré, c'est numéro 1. Voilà mes amis, mes deux pépites du jour que j'ai pas expliqué dans l'autre vidéo. Celui-là qui va aller voir l'autre vidéo de pronostic, il retourne aller voir qu'est-ce que j'ai expliqué sur les chevaux. Alors, première pépite du jour pour moi, c'est numéro 9 avec Nevar. Ce cheval, il n'est pas terrible, mais on ne sait jamais avec Nevar s'il est en forme en ce moment ou non. Il avait des courses cette année, 5e, 1e, 3e, 11e, 10e, 10e, disqualifié, 2e et 3e cette dernière course. Ma première pépite du jour, mon deuxième pépite du jour, c'est numéro 14. Avec Martin, c'est Martin Drevor, et l'entraîneur et le jockey. Ce cheval, cette année, il avait une seule course, il a fait disqualifié. Il n'a rien fait cette année, mais l'année dernière, il avait 8 courses. 3 fois gagnant, 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 gagnant. Après, il a fait disqualifié, après, il a fait 3e, 8e et 5e, sa dernière course de l'année dernière. C'est un très bon cheval aussi, mes amis. Cette vidéo, ça va aller vite fait. Je ne vais pas expliquer beaucoup pour cette vidéo la prochaine fois, mes amis. Alors, mes amis, je vais choisir mes 5 préférés, plus les deux pépites du jour, et plus un cheval en cas de non-partant, c'était numéro 15 aussi. Je ne vais pas expliquer avec ce numéro 15. Numéro 15, le cheval en cas de non-partant, mes amis. C'est avec Olivier. C'est un cheval de Dujard. Dujard, là, il a de très bons chevaux. Il a 60 contre 1, mais j'ai trouvé très bonne cette année. Il avait 3 courses cette année dernière, les dernières saisons. Des verts, il avait 4e, 8e, 3e et 10e cette dernière course. Voilà mes amis, même sa outsider, c'est la course, il va payer pour entrer. Alors je vous explique mes amis. Alors le 4, le 4, le 5, le 11, le 7, le 1. La première pépite du jour, le 9. Deuxième pépite du jour, le 14. Le cheval en cas de non-partant, mes amis, vous ramenez le 15. Si il va payer, il peut rentrer sous 15. Et si vous faites un 1007, vous prenez les 4 de base. Vous faites deux croix derrière vos GTAS, 9, 14 et 15. Vous tournez dans mon ticket de pronostic. Si vous voyez un autre cheval, vous l'agitez, ça vous coûte ticket 7,50 €. Voilà mes amis, si vous touchez 2, 3 fois, si vous avez 2 de base, vous touchez 2 fois à 25. Si vous avez 3, vous touchez 3 fois. Si vous avez 4 dans la base, vous touchez 4 fois mes amis à 25% de 1007. Voilà, le 4, le 5, le 11, le 7, le 1, le 9, la pépite du jour, deuxième pépite du jour, le 14. Le cheval en cas de non partant, c'est le 15. Voilà mes amis, c'est fini pour cette vidéo de la dernière minute en espérant qu'on va gagner et un bon quinté de ce week-end, pourquoi non, pour passer un bon mois, le mois d'août. Voilà mes amis, je ne peux pas faire l'arrivée de vendredi parce que la course elle est déjà pas partie, on est dans la journée, mais je peux faire la course de jeudi. Dans la course de jeudi, de 5 premières, on avait un bon tiercé de 2 ordres qui a payé 180 euros. Ou le bonus 4, c'est celui-là qui prend mes 5 premières, parce que je lui conseille toujours mes 5 premières. Et on avait le bonus 3, il m'en manque que le As que j'avais gardé sur la pépite du jour. Je l'ai gardé le numéro 1, je l'ai amené dans la pépite du jour. Sinon, on est en très très bon tiercé des ordres. On avait tout
On avait le As, le 2, le 4, le 12 et le 10, le cheval en cas de n'importe. Je suis là qu'elle a pris le As dans ma pépite de jour. Là, j'ai dans mon 5 premières dans la collection, c'est sûr. Il aura touché bien, mes amis. Dans la vidéo de la dernière minute, on avait le couplet placé et le 2 sur 4 trois fois. Et sinon, dans la vidéo de pronostic, c'est dommage, j'ai gardé le As, j'avais les deux et je l'ai amené sur la pépite de jour. J'ai pas gardé dans mes pronostics, sinon on aura une bonne quinte qu'elle a fait 1000 euros quand même. Mais déjà, bonus 3, elle a bien payé aussi et tiercé désordre, parce que moi j'avais fait tiercé désordre 180 euros. Voilà, mes amis, je vous souhaite une excellente chance. Et un très bon gain pour cette quinte ce week-end-là. On va toucher des bonnes quintes, à part de raison, on fait de l'effort, on les trouve. Je vous souhaite une excellente chance. Vous m'oubliez pas encore, mes amis, avec un bon like et abonnez si ce n'est pas déjà fait. Vraiment, ça ne vous coûte rien du tout. Moi, ça m'aide, ça monte ma chaîne. Moi, je suis là pour vous aider aussi pour gagner. Et tout le travail mérite le salaire, mes amis. Je donne beaucoup d'efforts, je ne viens pas donner n'importe quoi. Je crois que vous connaissez les anciens, ils connaissent mes résultats. Ils connaissent, je donne beaucoup d'efforts. Ils connaissent, on a gagné pas mal de tickets. Et j'espère que vous arrivez à nouveau. Vous m'oubliez pas avec votre like et abonnez et appuyez-vous sur la cloche. Pour chaque fois que je fais une vidéo, elle arrive à vous directement. Et je vous souhaite une très bonne chance. Et j'attends aussi vos petits messages, mes amis. Merci beaucoup à tous les amis qui l'envoyaient tout le temps les messages qui sont là. Et je vous souhaite une bonne chance et à bientôt, mes amis. Au revoir. Bon week-end.